Vous êtes fiers de vous. Vous-même, quand vous baquez là, non, allez vous-même regarder le match. Allez vous-même regarder le match. Comment vous étiez en train de peser au stade. Je ne sais pas si vous avez mangé le jazz ou vous avez mangé le njap. Je ne sais pas. Ah, les lions indomptables. Les lions indomptables. Je suis désolé. Mais franchement, on n'a pas vu un visage de lion indomptable dans ce match de Cameroun vs Guinée. Félicitations à mes frères guinéens. Vous avez fait un bon match face au Cameroun. À 10 contre 11, Cameroun n'a pas pu gagner le match contre Guinée. C'est là que tu te rends compte que cette équipe de Cameroun, ça ne va pas. Il met tous nos meilleurs joueurs au banc. Il est salopard. Qui rentre. N'est-ce pas? Qui rentre. L'équipe qui gagne la CAN ne remporte jamais son premier match. Quand une équipe va gagner une CAN, elle ne remporte jamais ses premiers matchs. C'est comme ça, non? C'est comme ça. Et nous, on ne peut pas sauter la tradition. On ne peut pas, comment dire, c'est la tradition. Une équipe qui va gagner la CAN ne gagne jamais le premier match. Donc, il fait toujours match nul. Donc, c'est après qu'il commence à... Généralement, les équipes qui font trop le bruit... Quand la CAN commence, là, tu les vois, Marc, les 2-0, les 3, on les élimine souvent vite. Mon fils, qui va gagner la CAN? Qui va gagner la CAN? Oh, mais c'est le Cameroun. Attends, tu es malade. Faut dire que c'est la Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas être dans ton pays. C'est la Côte d'Ivoire, maman, c'est la Côte d'Ivoire. Merde, on fait match nul avec qui? La Guinée. Un match qui était gagné d'avance. Vous êtes, je sais pas, vous êtes parti danser le mbolé en Côte d'Ivoire ou vous êtes parti faire quoi? Carrément, gars. Nous, on est là, on ne gagne rien en vous supportant. Je dis bien rien. Vous êtes là que gagner ou perdu, vous avez vos primes. Mais ayez pitié de nos organes. Et nous, on respecte la tradition. Dès que la Guinée nous a menacés. Quelle Guinée? En Côte d'Ivoire, j'avais la Guinée-Bissau, une équipe où des pêcheurs, où aucun joueur ne joue en Bengue, aucun joueur ne joue en Europe. Nous, on a joué avec la Guinée de Keita, l'ancien milieu terrain de Liverpool. Une Guinée qui est très forte. Nous sommes seulement venus jouer la défense. 11 défenseurs n'ont même pas joué au ballon. On doit, à un moment, être obligé de prendre son téléphone, ça fait, parce que le ballon n'arrivait pas à son niveau. Ça ne va pas? Excusez-moi, madame. Vous êtes malade? J'ai dit excusez-moi, tu n'entends pas ça. Et dans ma tête, je me disais même que le Cameroun peut taper Guinée d'un score de 2-0 et tout. Parce que le Cameroun avait tout pour gagner ce match contre Guinée. C'est Guinée qui est venue d'une façon fragile. Parce que Guinée n'a pas Guirassy, qui est le meilleur buteur de la Guinée en quelque sorte. Guinée n'a pas leur capitaine, Keita. Naby Keita, imaginez s'il y avait ces deux joueurs en fait. Ils allaient taper, ils allaient tabasser l'équipe de Cameroun. Je n'ai rien contre cette équipe de Cameroun. Mais en toute honnêteté, franchement, le Cameroun n'a pas le niveau. À part l'erreur que Kemen a fait là, la sortie qu'il a fait là, il a encore touché quel ballon. Il était là lui coucher. Il est sorti propre. À un moment, il est même parti s'asseoir sur le banc de touche causée. On a envahi les gars. Vous dites quoi? Qu'on n'a pas joué. Mais les Ivoiriens vont nous parler. La règle dit que la tradition, l'équipe qui va gagner la CAN ne gagne plus jamais son premier match. Vous partez jouer au beau. Car easy, pardon. Ne faites pas comme ça là, je sais pas. J'ai d'abord parié mon argent, c'est gros comme ça. Vous m'avez fait l'os les dos. En trois points, vous pensez que vous, avec ce que vous avez vu là, vous allez jouer quoi avec le Sénégal? Vous voyez, ils ont venu blaguer. Sadio Mané vient de se marier. Il a chargé. Il va déposer ça sur nous. Il a l'énergie d'une fille vierge. Donc, faites attention. C'est quoi? Non. Vous n'avez pas le niveau. On s'est dit la vérité. Déjà dans ce match, niveau Cameroun, offensivement, c'est pas bien. Ils ne proposent pas beaucoup de choses. Dans ce match, moi, je me disais, mais... Ils savent que faire des centres ou c'est quoi? Que des centres. Mais jouez le jeu, construisez le jeu en fait. Il n'y a pas de 10 qui peut, tu vois, construire le jeu. Mais il n'y a pas de jeu qui... En fait, qui te donne envie de regarder ce match de Cameroun.
Le Cameroun n'a pas de niveau. Ils n'ont pas de niveau. Et puis aussi, Ekambi, je pense qu'il s'appelle comme ça, Toko Ekambi. Mais vers la fin du match, il a fait une frappe. Ce n'est pas ça qu'on a besoin. Dès le début du match et tout, montre-toi. Et Samuel Eto'o, Robert Song, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas prendre Choupo-Moting. Choupo-Moting peut faire des choses dans cette équipe de Cameroun. Franchement, cette équipe de Cameroun, pour moi, c'est le flop. Je ne pense pas qu'ils vont dépasser la phase des poules. Suivez-moi, Kriton G, parce que j'ai l'impression que même comme il était au banc, il n'était pas dans ce match. Qui a remplacé Aboubacar Vincent? Mouto Lote, Rigobert, j'ai envie de te racler. Je ne sais pas, j'ai les nerfs d'abord. Mr. Kling est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Kling. Mr. Kling est situé à Ngousso, face Total, à Emana, face Mezafi, à Bastos, Carrefour, Moto Georges, village des jeunes au niveau d'Ététat, Biemassi, immeuble Express Union, Oja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kouaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman, Abia, descente Pharmacie du Soleil. Juste une précision, Mr. Kling importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc, n'achetez plus vos vêtements de valeur de luxe, vous partez laver dans n'importe quel pressing que parfois ça brûle vos vêtements, ça déforme, ça transforme vos vêtements. La solution, c'est chez Mr. Kling, le meilleur.